Bienvenue dans le speed touriste en entier. Bienvenue au départ de l'US Speed Tour East, stage numéro 1, de New York à Daytona, en Floride. Donc c'est tout simplement l'US Speed Tour East en entier. Donc je ne fais pas du tout cette vidéo du coup pour voir l'intégralité de l'US Speed Tour. Alors je pense pas que beaucoup de personnes feront cette vidéo là. Il y aura le speed tour East en entier, je pense pas. Après, peut-être que... Peut-être qu'il y aura peut-être des personnes qui le feront, mais pas. Moi, ça me fait plaisir de faire le speed tour East en entier. Étant donné que de base, c'est quand même le speed tour, hein. Donc de base, bah, on le fait en vidéo individuelle, donc en épreuve individuelle. Moi je me suis dit bah, pourquoi pas faire le speed tour, mais du coup on va mettre toutes les épreuves du speed tour mises au comptable, ce qui fait du coup voilà, le speed tour East en entier. Donc ça fait être une vidéo avec un montage. On va tout simplement dire que toutes les épreuves se succéderont dès que j'ai terminé cette épreuve là. Je couperai la vidéo à un moment précis pour que du coup on ait tout fois la suite. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit vraiment bien fait. Normalement là il y aura même une petite description qui vous dira tant de minutes. Il y aura le stage numéro 2 à tant de minutes. Si jamais vous voulez regarder précisément une épreuve en elle-même. Je pense pas que quelqu'un fera ça, hein. Donc honnêtement je pense que je serai la première personne à faire ça. Donc, pour une fois je suis utilisé pour une fois, j'avais une petite exclusivité sur le code. Enfin, vous pouvez regarder hein, pour voir si quelqu'un a déjà fait ça, mais je pense que je serai la première personne à faire ça. Peut-être que ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes de faire ça. Honnêtement moi je me suis dit pourquoi pas le faire, honnêtement c'est une super idée honnêtement. Et je vais faire la même chose avec le speed tour west. Parce que le speed tour west, bah, c'est exactement en fait donc la même chose. Alors je sais pas si jamais ça va vous plaire ou pas, mais moi je pensais faire le speed tour east en entier. Et après, vous rappelez, il y a des épreuves à chronomètre. Hein. Des épreuves à chronomètre. Hein. Mais après, c'est pas vraiment un speed tour. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste des épreuves qu'on a mis bout à bout. Hein. C'est pas vraiment un circuit, c'est pas vraiment une suite de 10 futurs. Donc je sais pas si on considère ça comme un peu un 10 futurs ou pas. Donc on me dirait si jamais je fais ça ou pas. Vous direz en commentaire si jamais vous voulez que je fasse ça. Si vous voulez, bah, je peux vous faire exactement la même chose. Pour les erreurs comme l'autre, avoir plus suivi. En fait, j'ai hésité à plusieurs fois, j'ai hésité de faire la même chose avec les épreuves à courir. Après, le petit à faire ça, c'est qu'on peut faire ça. Hein. Je pense que ça ne dérange absolument pas. Hein. Ça vous fait une vidéo en plus. Hein. C'est une petite surprise. Hein, enfin, je sais pas du tout si ça arrive. Hein. Attention, c'est une surprise. Peut-être que... Peut-être que dès demain, c'est-à-dire que le jour où cette vidéo sortira, peut-être que le lendemain, vous aurez peut-être les épreuves à chronomètre. Donc la toute première épreuve à chronomètre jusqu'à la dernière épreuve à chronomètre. Peut-être que je vais faire ça. Honnêtement, ça me tente bien. Ça me tente. Et si ça me tente, ben, c'est peut-être que j'ai peut-être avoir envie de faire. Alors peut-être pas, ça arrivera peut-être pas le mardi ou le lundi. Hein. Je verrai bien dans mon planning de vidéo si un jour il n'y a pas trop de vidéos ou pas aucune. Voilà, je la montrerai en plus. Hein. Et ça peut être pas mal de faire ça.
Si je vois que ça vous plaît, je fais ça maintenant. C'est vrai que moi je vais en avoir pour un moment de faire les speedtours. Hein. Parce qu'il faut que je fasse tous les stages, hein, du numéro 1 jusqu'au stage numéro 8. Hein. Et bon, du coup, ça va me refaire tous les stages de tous d'affilée finalement. Du coup, vous aurez une vidéo où, et moi, hein, entre le moment où j'ai fini l'école et le moment où j'ai fait la deuxième. Bien évidemment, il va y avoir un montage. Donc, du coup, forcément, bah, moi, ça va pas forcément. Hein. C'est pas la base tout de suite. Hein. Moi je pense faire le montage juste avant juste avant que l'argent tombe. Et entre le moment où vous avez le stage numéro 1 et le stage numéro 2, je vais faire la petite cinématique. Vous voyez, en début d'épreuve, vous avez une petite cinématique. Et bah, je pense que c'est pas trop mal. Vous verrez bien comment je vais faire, mais je vais essayer de faire quelque chose de résultat. Les voitures arrivent à Daytona, où se trouve le célèbre circuit Daytona International Speedway. C'est le moment d'accélérer. Maintenant, on va se faire le stage numéro 2 de Lewis Speed Tour East. Voici le stage numéro 2 de l'US Speed Tour East, à la découverte de la Floride, de Daytona à Miami. Le Speed Tour West sera disponible dans deux jours après cette sortie de cette vidéo. Vous aurez le Speed Tour West. Le Speed Tour West sera déjà dévoilé au moment où je tourne cette vidéo. Le Speed Tour West n'a pas été encore dévoilé officiellement. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, le Speed Tour West sera pas complètement dévoilé, mais il sera un bout de le Speed Tour sera dévoilé. Et je pense qu'au moment où ces deux sortiront, il y aura plus d'informations qui sortiront. Donc, le lendemain, il y aura plus d'informations normalement de l'Espito West.
On arrive presque à la fin de cette deuxième stage dans le spectacle. C'est la dernière ligne droite avant Miami et son circuit Homestead Miami Speedway. Il va falloir tout donner. Maintenant, on va se faire le stage numéro 3 de Louis Pito East. Stage numéro 3 de l'US Speed Tour East. Nous quittons Miami pour Dallas au Texas.
d'accord, moi j'aime bien les nouvelles épreuves après Grand Prix. Hein. Et les nouvelles épreuves d'après Grand Prix qu'on peut ajouter sont vraiment super cool. Eh bien, nos cow-boys arrivent à Dallas et son Texas Motorplex, le berceau de la vitesse. Maintenant, on va faire le stage numéro 4 de l'8 Speed Tour East. Prêt pour le stage numéro 4 de l'US Speed Tour East, de Dallas au Texas à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Thank you.
arrive bientôt à la fin de ce stage niveau 4 de l'Espitour Est. Ils arrivent bientôt à Santa Fe, prêts à piloter entre les maisons d'adobe de ces rues tortueuses, pour notre plus grand plaisir. Maintenant, on va se faire le stage numéro 5 de l'Espitour Est. Voyons ce que les pilotes nous proposent dans le stage numéro 5, US Speed Tour East, de Santa Fe, Nouveau-Mexique, à Pikes Peak, au Colorado. Moi j'aime bien l'endroit où on passe par le sculpteur. On arrive à tout près.
passe vers la fin de l'US Tour, donc le stage numéro 5. C'est le dernier checkpoint avant Pikes Peak. Ils sont sur le point de découvrir la vraie course de côte. Regardons les mettre pied au plancher. Et là, on va se faire le stage numéro 6 de l'US Speed Tour East. De Pikes Peak à Saint-Louis, du Colorado au Missouri. Stage numéro 6. US Speed Tour East. Moi j'aime bien ces projets-là avec pas dans l'eau. Les plus hauts projets. Et alors c'est un nouveau bête, donc on n'a pas eu 12 épreuves de base. Normalement on aurait dû avoir 12 épreuves dans le Run Rail. Dans le Speed Tour 10. Finalement on en a eu qu'une seule. Je sais pas si dans la prochaine mise à jour on aura une épreuve en Run Rail ou pas. Normalement pas savoir. On verra bien. Hein. On s'approche maintenant de la fin de ce sixième stage. Prochain arrêt, Saint-Louis, le long du Mississippi. Les pilotes vont passer à Gateway Arch. Et comme les explorateurs Lewis et Clark, ils laisseront leur empreinte.
Maintenant, on va se voir le stage numéro 7 de l'US Speed Tour East. Quelle va être la performance des pilotes au stage numéro 7 de l'US Speed Tour East? De Saint-Louis au Missouri à Détroit au Michigan. Maintenant, on arrive à Détroit. On arrive bientôt à Détroit. Bientôt du coup à la fin de ce stage. Nous arrivons à Détroit, célèbre pour l'IndyCar et les courses de rue. Qui arrivera à établir les records de Motown? Par le stade numéro 8 de l'US Speed Tour East. Et là, c'est le dernier stage. Voici le final de l'US Speed Tour East, stage numéro 8. Qui sera le meilleur de Détroit au Michigan jusqu'à New York?
J'espère que vous avez apprécié le speed tour East Mountain. Je vais pas beaucoup parler parce que c'est très très long comme vidéo. Et du coup, je préfère voilà, vous laisser vous le gameplay pour qui apprécie. Donc du coup, cette vidéo se coupera à la fin de le speed tour East. Donc le stage numéro 8. Dès qu'on arrive à la fin, je coupe la vidéo et je fais une petite cinématique. Faire une petite cinématique pour conclure du coup cette vidéo. Donc la prochaine fois on se retrouvera, je sais pas exactement quand on se retrouvera pour le speed tour West en entier. Bon, vous verrez bien, dans 2 mois, on se retrouvera dans à peu près 2 mois. Étant donné que la mise à jour dure 2 mois, on se retrouvera dans 2 mois juste avant la prochaine mise à jour. Si on ne saura pas du tout ce que ça sera la prochaine mise à jour après le speed tour West, ce sera quelque chose de complètement. Ça n'a absolument rien à voir avec la mise à jour du speed tour. Après, peut-être que les développeurs ont décidé peut-être que d'autres choses à faire. En tout cas, je ne sais pas savoir. Donc on verra bien. En tout cas, c'était vraiment bien, c'était vraiment une bonne mise à jour. J'ai vraiment apprécié de faire le speed tour. C'était vraiment agréable. Et du coup, pour les épreuves à chronomètre, j'ai une petite idée, c'est que samedi, arrive, là, normalement, il n'y a pas de vidéo sur de nouvelles épreuves, étant donné que forcément, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, faire plus d'épreuves à chrono, pourquoi pas le faire tout simplement samedi. Donc finalement faire. Alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que du coup c'est une épreuve à chrono. C'est pas un lui speed tour complètement. En fait, c'est vraiment fun. C'est lui speed tour East épreuve chronomètre. Enfin, voilà, je sais pas trop comment l'appeler. Vous verrez bien, mais peut-être que c'est un petit qui arrive, alors peut-être une surprise, peut-être qu'il y aura ça. Ça on verra bien. En tout cas, voilà, ça j'en ai pas encore parlé, j'en ai parlé dans cette vidéo. Alors tout bien, si jamais c'est là, et vous verrez cette vidéo avant même que cette vidéo sorte. Finalement, tenez du coup ma vidéo avant celle-là. Qui arrivera peut-être après du coup je sais pas encore, peut-être je dis ça mais peut-être que ça sera vraiment là, je sais pas, je donnerai sûrement le speed tour East chrono, parce que étant donné que quand on fait les épreuves le jeu dit le speed tour East, on est d'accord qu'à chaque fois qu'on fait les épreuves le jeu nous dit qu'on fait le speed tour East l'épreuve je sais plus quoi. Du coup je sais pas. Je sais pas trop si vous voyez ça. Enfin, je ne sais pas. Ça peut se faire honnêtement. Là aujourd'hui j'ai encore le temps de faire cette vidéo. Donc ça va prendre pas trop longtemps parce que c'est des histoires de l'esprit tout qui ça fera moins 6 ans, c'est pas fini de chaque. Les épreuves à chronomètre ne sont pas super longues non plus, donc ça devrait être assez rapide quand même. Ça devrait être un peu plus rapide. Ouais, il me reste à peu près 40 minutes à peu près. Alors, sur cette vidéo, donc, je pense que je vais pouvoir le faire en bas, parce qu'après, c'est dommage. Thank you.
Enfin, du coup, je vais couper la vidéo, du coup, juste après la fin du stage. Donc, dernière partie du dernier stage. Retour à New York, comme on dit. Si vous réussissez ici, vous réussirez partout.